Sortez, oh, venez, venez, il y a une bonne nouvelle. Et une bonne nouvelle, vous vous rappelez de ce visage, oui, c'est celui du blogueur nommé Peter007 sur les réseaux sociaux. Et vous vous rappelez de cette affiche-là, Allo Caviar, le pafotage dans le couple, invité Peter007. Bien évidemment, ça faisait allusion à cette photo. Bien sûr, cette personne était en couple avec Emmanuel Keïta et puis ça n'a pas marché, ils se sont séparés. Aujourd'hui, à Poutou National, le blogueur ivoirien vient de mettre sur sa page ceci. Urgent, urgent, merci à l'État de Côte d'Ivoire, notre Peter est libre. J'ai demandé aussi à un proche qui m'a confirmé, dont je peux souligner que c'est la vérité. Parce que notez qu'il y a quelques instants, on a quelques minutes, qu'on a vu sur la page Peter007, Peter007 en habit, communément appelé en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, c'est l'habit de prière où les hommes importés pour aller à la mosquée quand il fait chaud, tout ça, ou même quand il y a des cérémonies religieuses musulmanes. Voilà, en disant en titre Messie, Papa Ado. Voilà. Notons que Peter 007 était en prison, voilà, depuis novembre, suite à son arrivée en Côte d'Ivoire. Dès qu'il a fini l'émission Allo Caviar, il a allé saluer ses parents, faisant un direct, comme vous pouvez voir sur sa page, son dernier direct. 2 jours après, ou bien je crois que le lendemain, bien sûr, le lendemain, il a été interpellé à son hôtel, selon certaines sources, et conduit à la Maca. Pas à cause de l'émission, mais parce que, hormis ça, il y a des années en avant, il avait menacé le pouvoir en place, dit des propos vraiment un peu dangereux, un peu atteinte à la sécurité de l'État, des gros propos après qui disaient qu'il avait fait ça sous l'effet de la colère contre certaines personnes qui lui répondaient. Mais, en venant en Côte d'Ivoire, il n'avait pas regardé vraiment si cette histoire était passée. Donc, c'est suite à ces propos-là, de haine-là, qu'il a été interpellé et entendu. Mais depuis lors, il n'avait ni été jugé, bon, on ne sait pas s'il a été jugé ou pas, mais il était en prison à la maison d'arrêt en Côte d'Ivoire. Donc, en ce jour du Ramadan, hein, voilà, qui signifie la fin du mois de jeûne sur la région musulmane, et actuellement qui est fêté sur toute l'étendue du territoire ivoirien, Peter 007 est libre. Je dis bien, selon certaines sources, c'est-à-dire selon sa page qu'on a vue, selon sa publication sur sa page et selon ce qu'Apôtre National a dit, Peter 007 serait libre. Tout ça, merci à l'État ivoirien, merci à tous ceux qui ont porté en prière Peter 007.